Na na na, the morning rain. Ah, na na na, so fire. Aujourd'hui, je ne vais pas en faire beaucoup. Je vais en faire peu parce que vous voyez là, c'est un bouton de fièvre. Actuellement, je suis mal en point. Quand je vous dis que je suis mal en point, c'est un mal-être intérieur. Mais vous savez que au rendez-vous du béret anonyme, c'est le rire. Je suis obligé, je suis tenu de vous ramener dans un monde autre que vos soucis habituels. Je suis obligé de vous faire sortir de la torpeur, de la routine de vos vies. Je suis obligé. C'est mon devoir, c'est mon boulot, c'est mon travail. Je suis payé pour ça, de vous ramener ailleurs. Sinon, actuellement, là, vous voyez le bouton de truc là. Il y a bouton ici, il y a tache ici. Parce que quand tu ne vas pas bien émotionnellement ou que quand tu ne vas pas bien à l'intérieur, je ne vais pas vous mentir, je traverse des dingueries actuellement. J'espère que ça va vite passer pour que je puisse vous faire des story time là-dessus. Quand je vous dis que quand ça ne va pas bien à l'intérieur, le corps, il réagit. Vraiment, le corps, il réagit. Regardez-moi. Je n'ai jamais été aussi mal en point. La femme la plus belle d'Internet, c'est-à-dire Tanti Sophie, la plus jolie, on parle de jolie, elle vous gagne des dents. La maman de Nadine n'a jamais été aussi mal en point qu'actuellement. Mais aujourd'hui, on n'est pas venu parler de moi. Parce que moi, quand ce qui se passe actuellement va finir, je vais aligner les story time. Ne t'inquiète pas, la vie, ne t'inquiète pas, montre-moi tout. Quand tu vas finir de me montrer, je vais venir rentabiliser ici. Inch'Allah. Je vais voir les vues grimper comme ça sur ces story time là. Je vais rentabiliser. Tu penses quoi? Tu penses que tu me fais du mal? Tu fais du mal à qui? Moi, je prends ma caméra, je pose, je parle. Je parle à la vie, ne vous inquiétez pas. Sinon, avec vous, je n'ai pas de problème. Donc, comme d'habitude, ma perruque, c'est Queen Hair. Je ne ressemble à rien actuellement, mais mes collaboratrices ont tenu quand même à m'envoyer les tenues pour le béret du jour parce qu'elles ont dit, mais peu importe quoi. Peu importe que tu ne ressembles pas à Tanti Sophie actuellement. Nous, c'est Tanti Sophie, donc tu vas porter la marque en fait. Tu vas porter la marque, tu vas rester dans le style, tu vas rester dans la classe, malgré tout ce qui se passe. Donc, perruque, Queen Hair, la robe, c'est Lily Rochas. Je vais faire une autre vidéo debout un peu plus là, où je vais plus montrer la robe, pour que vous voyez un peu plus la robe. Je vais certainement mettre la vidéo à côté là, de là où je suis en train de parler. Et la perruque, n'oubliez pas, Queen Ray, elle fait les meilleures perruques. C'est vrai qu'actuellement, ces derniers temps, j'étais plus un peu vibe perruque rousse, perruque qui entre dans mon teint. Mais actuellement, j'ai plus de teint. Actuellement, j'ai des taches noires. Ce ne sont pas. J'ai plus de teint. Mais je vais rentabiliser en story time plus tard. Ne vous inquiétez pas. L'histoire d'aujourd'hui nous vient du Cameroun. L'histoire d'aujourd'hui nous vient du Cameroun, au fin fond du Cameroun, au fin fond du nord du Cameroun. Oui, ma belle, tu sais que quand on veut raconter le béret, on doit donner la provenance de l'histoire. Toute histoire qu'on me raconte sur Instagram, que je demande le pays de la personne, sauf cas exceptionnel, je vous assure, sauf cas exceptionnel, on ne donne pas le pays. Vraiment, quand on voit que ne serait-ce que le pays pourrait permettre de reconnaître la personne, qu'on ne donne pas. Sinon, on donne toujours la provenance du béret et on donne l'âge des concernés par l'histoire. Souvent même quand je veux aller au plus loin de l'investigation, quand je sens que je n'ai pas toutes les informations qu'il faut à mon âme, normalement j'ai déjà toutes les informations pour vous raconter l'histoire, hein, mais mon âme manque de quelque chose, un petit truc, tu vois. Quand mon âme n'a pas ce petit truc-là, je demande la photo des concernés. Je peux demander la photo de ta belle-mère dont tu es venu parler. Et c'est ça qui est important. Je vais commencer. Mais petit trigger warning, je tiens absolument à ce que vous écoutiez l'histoire jusqu'à la fin avant de porter jugement. Parce que vous n'êtes pas encore prêt, vous ne savez pas encore ce qui se passe là. Attendez jusqu'à la fin et s'il vous plaît, à la fin, donnez-moi vos avis en commentaire. Parce que s'il y a quelque chose dont cette femme a besoin, ce sont de vos commentaires, ce sont de vos avis. Parce que je sens, nous sentons qu'elle est prête à faire une dinguerie. Elle est prête c'est-à-dire à se tirer peut-être une balle dans la jambe ou tirer une balle dans l'air et tuer un oiseau qu'elle mangera plus tard.
on ne sait pas encore, mais je ne porterai pas la responsabilité de cela. C'est surtout pour ça même que je dis Béret anonyme, je viens raconter ici. C'est-à-dire que si ça se passe, comment, après qu'elle a fini de nous écouter, c'est vous et puis moi qu'on soulève. C'est vous et puis moi on soulève. Elle ne va pas dire que c'était de ma faute parce que vous allez déposer vos commentaires là. Ce que vous pensez de l'histoire, vous allez dire là. Ce que vous voyez, ce que vous, vos yeux ont vu et puis ses yeux n'ont pas vu, vous allez tout lui mettre. Maintenant, elle-même, en son âme et conscience, elle va décider de ce qu'elle veut en faire. On peut commencer. Béret anonyme. Comme je vous le disais, le Béret d'aujourd'hui nous vient du Cameroun, du nord du Cameroun, dans le nord là-bas. Là. C'est ça, ils sont en train de faire ça. La dame, parce qu'elle a 29 ans. Elle a 29 ans. Ce n'est pas une fille, c'est une dame, c'est une femme. Et une très belle femme d'ailleurs, je le confirme, j'ai vu sur son profil. Ma chérie, tu es belle. Oui, c'est rare que Tanti Sophie fasse des compliments aux gens, mais tu es belle. Je un peu moins que moi, c'est réel, parce que c'est normal que tu sois moins belle que moi. On le sait tous. Mais ça va, ça peut aller, tu fais pas peur. Tu ressens pas un masque guéré, tu fais pas peur, ça peut aller. De toute façon, que tu sois belle ou pas, tu vas prendre tes balles perdues. Don't think you will not... Ne pense pas que tu ne vas pas prendre tes balles perdues en anglais. Traduisez-lui ça en anglais. Ne pense pas que tu ne vas pas prendre tes balles... You... Ratatatata. You. Genre, ça fait ça. Si c'est pour raconter ton histoire, tu racontes. Si c'est pour comprendre un peu anglais qu'il parle là, ça te dépasse. Petit anglais, je vais essayer de te parler là, ça te dépasse. Mais si c'est pour faire tes clats, tu sais faire. Faut pas m'énerver, hein? Je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Donc, comme je disais, on va l'appeler Madame Raffinée. Je ne sais pas si j'avais déjà dit, mais je dis comme je disais. On va l'appeler Madame Raffinée, celle qui est concernée, la dame de l'histoire, la femme de l'histoire. Vous allez comprendre pourquoi je l'appelle Madame Raffinée quand on sera au milieu de l'histoire là-bas. Madame Raffinée travaille dans une entreprise. Si j'oublie Madame là, je vais dire Raffinée, parce que je ne sais même pas c'est quelle Madame, il te donne beaucoup. Balle perdue a déjà commencé comme ça. Donc, Madame Raffinée travaillait dans une entreprise dans le nord du Cameroun. Là. Je ne pourrais pas franchement vous donner plus de détails, mais elle a un collègue qui travaille aussi dans la même entreprise, jusque ils sont dans différents secteurs de l'entreprise. C'est comme une entreprise qui regroupe différents secteurs. Elle travaille d'un côté, je ne vais pas vous dire précisément quel est son boulot dans l'entreprise, mais elle a son boulot dans l'entreprise et le monsieur qui est son collègue aussi a son boulot dans l'entreprise. Vous savez que toute partie, tout endroit où des hommes et des femmes interagissent, il y a forcément à un moment donné connexion. Est-ce que je peux dire ça? Parce que ça là, c'est les phrases que les tontons là prennent et puis ils commencent à dire que leurs femmes ne vont pas travailler en entreprise, que si elles travaillent en entreprise, forcément elles vont les tromper, des histoires comme ça là. C'est ça qui est là. Mais on arrête de dire quoi? L'histoire est devant nous. Faut pas avoir raconté. Je dois raconter. Et c'est d'ailleurs une chose que j'ai beaucoup aimé chez Madame Raffinée, c'est qu'elle s'est ouverte de manière complète. Elle s'est vraiment dégagée en me racontant le Béret anonyme. Pour tous ceux qui veulent raconter leur histoire, c'est sur Instagram. Instagram. Donc, elle a vraiment raconté l'histoire du fond de son cœur. Elle ne m'a pas caché des choses. Je ne peux pas dire qu'elle m'a tout raconté dans tous les détails, mais je vais vous dire qu'elle s'est vraiment livrée. Elle a vraiment montré sa personnalité la plus intérieure et c'est ça que j'aime dans ce truc-là. Parce que quand je suis en train de te poser des questions, tu viens me raconter ton histoire, je te pose des questions et que tu n'es pas en mesure de me répondre de manière très claire jusqu'au fin fond de l'histoire, je zappe tout de suite ton histoire. Vous pouvez demander à ceux qui ont raconté leur histoire et que j'ai dit non, cette histoire-là, on ne peut pas en faire un béret. Ils ont déjà venu et puis j'ai dit non, ça là, on ne peut pas faire pour faire histoire. Oui, parce que tu n'arrives pas à me donner tous les détails qu'il me faut. Tu n'arrives pas à aller au fin fond de l'histoire. Tu n'arrives pas à me donner assez de détails pour que je me mette dans la peau, dans ta peau, dans la peau de concerné pour pouvoir raconter. Tu vois comment je raconte, je transpire là. Remplissez la caisse. Renflouez la caisse pour que je mette une clim ici. Mon agent même ne peut pas faire. C'est l'agent d'internet qui a fait ça là. Donc, je raconte...
je disais quoi? Je disais que Madame Raffinée et son chum, Madame Raffinée et son collègue qui est devenu son chum, les deux étaient dans la même entreprise. Les deux travaillaient dans la même entreprise. Et à un moment donné, ils ont commencé à se fréquenter. Madame Raffinée avait loué un petit studio puisqu'elle vivait seule et qu'elle a quitté le centre pour le nord. Si je ne me trompe pas, oui, elle a quitté le centre pour le nord pour le boulot. Elle vivait dans son petit studio et elle faisait sa petite vie en fait. Elle ne recherchait pas forcément une relation amoureuse. Tout ce qu'elle recherchait, elle était dans une période où tout ce qu'elle recherchait, puisqu'elle est célibataire, c'était une présence humaine, juste quelqu'un avec qui passer quelques bons moments, vous comprenez, au lit, juste quelqu'un avec qui faire quelques roucascasses, se casser le dos, se soulever, se jeter là-bas, sauter du frigo, tomber sur lui. Lui aussi n'a qu'à quitter le plafond pour tomber sur elle. Elle recherchait ça. Elle recherchait un peu de sensations fortes. C'est tout ce qu'elle recherchait, à vrai dire, vraiment en cette période-là. Mais elle a commencé par fréquenter le jeune homme qui a 30 ans. Elle a 29 ans, lui, il a 30 ans, donc un an de plus. Si je ne me trompe pas, je ne peux pas me tromper. C'est ce que vous avez raconté là que je raconte. Pourquoi elle m'a trompé? Pourquoi elle m'a trompé? Moi-même, Pacato, comme ça, j'ai pris l'histoire et elle m'a trompé sur les détails. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Ça, donc, elle a 29 ans, il a 30 ans. Quand ils ont commencé à se fréquenter, elle a tout de suite remarqué que le garçon, on va l'appeler Trésor. Je vais l'appeler Trésor parce que quand j'ai fini d'écouter toute l'histoire, j'ai vu que ce monsieur, c'est un petit trésor. Attention, ne portez pas de jugement jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Finissez de l'écouter. Ce monsieur, c'est un petit trésor dans ce sens que durant toute l'histoire, il n'a pas, je ne dirais pas qu'il n'a rien fait de mal, mais je dirais que c'est une bonne personne dans le fond. C'est une très bonne personne même. Finissons, finissons, continuons d'abord. Donc, quand Trésor et Madame Raffinée ont commencé à se fréquenter, Madame Raffinée a tout de suite remarqué que, en fait, Trésor, c'est un garçon qui voulait beaucoup plus. Il voulait beaucoup plus que juste des roucascasses. Il a commencé à beaucoup s'attacher à elle. Je vous avais dit que Madame Raffinée avait son petit studio qu'elle louait, dans lequel elle faisait sa petite vie toute tranquille et tout. Elle a remarqué que Trésor voulait beaucoup plus que juste des roucascasses. Et d'ailleurs, ce qui justifie cela, c'est que quand Trésor a commencé par venir chez Madame Raffinée, parce que les roucascasses là, il faisait ça chez Madame Raffinée, dans son petit studio qu'elle a loué. Toi, tu as loué petit studio et puis tu veux faire tremblement de terre dans ce studio là. Faut que vous soyez en train de faire jusqu'à les murs n'ont qu'à s'effondrer, les portes n'ont qu'à tomber. C'est ça que tu veux faire. Parce qu'à chaque fois que le garçon demande que on va faire où? Tu dis, on n'a qu'à venir faire chez moi. On va faire où? Tu dis, on n'a qu'à venir faire chez moi. Ah, il y a des détails qui sont en train de me revenir. Madame Raffinée dit que où Trésor vivait là, c'était un taudis. En tout cas, à son sens, quand elle les voit où il vit, elle trouve que c'est un taudis. Elle ne peut pas aller dedans. Donc, elle a dit à Trésor, ah, frère, si tu veux qu'on se voit, tu viens chez moi. Donc, Trésor, en venant chez elle, il a commencé par ramener ses affaires chez elle. Oui, vous avez bien entendu ce que je suis en train de dire. Généralement, ces femmes qui commencent par amener ses affaires, brosse à dents, un petit haut par-ci, un petit soutien-gorge par-là, elles commencent par ramasser pour aller déposer chez le garçon. Dans le cas de Madame Raffinée et Trésor, là, c'est Trésor qui a commencé par prendre ses affaires et à laisser un peu chez Madame Raffinée. Ce que je comprends totalement parce que Trésor, comme je vous l'ai expliqué tantôt, a commencé par s'attacher à elle. Or, Madame Raffinée est une personne qui n'est pas vraiment attachée. Elle n'est pas dans l'attachement. Elle était plus dans l'action. Elle était plus dans ferme ta bouche, arrête de me dire des choses romantiques et déglingue-moi. J'espère qu'il n'y a pas d'enfant ici. D'abord, la majorité pour me suivre, c'est au moins 16 ans. Donc, laissez-moi parler en paix. Laissez-moi parler en paix. Ne venez pas me raconter que vous regardez mes vidéos avec vos enfants. Si vous voulez regarder la vidéo avec vos enfants, regardez d'abord la vidéo et quand vous voyez que c'est bon, vous allez appeler votre enfant de venir regarder. Quand vous voyez qu'il y a des mots comme du déglingue-moi, tu évites de mettre ton enfant devant ça aussi. Ne venez pas dire que c'est moi. Je ne suis pas responsable de vos enfants. J'espère que cette petite parenthèse vous sera utile. Donc, comme je vous disais, Trésor a commencé par ramener ses affaires un peu, et une petite relation a commencé à naître là, là, une sorte de relation. Parce que Madame Raffinée aussi, c'est pas comme si elle fréquentait plusieurs autres hommes en même temps. C'est pas comme si elle se faisait soulever, jeter ici, courber ici par plusieurs autres hommes en même temps. C'était juste Trésor qui faisait le travail. C'était juste Trésor qui nettoyait la tuyauterie. C'était.
j'y vais trop loin. Pardon, 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 toi aussi. Baisse le niveau, dose. Il faut que je dose. Il faut que je dose, il faut que je dose. Je sais, pardon, pardon. Donc, c'est pas comme si quelqu'un d'autre ramonnait ces trésors qu'il faisait. Madame Raffinée ne faisait pas avec beaucoup de personnes, elle faisait avec trésors seulement. Donc, une sorte de petite relation est née, une sorte de petite relation a commencé. Et Madame Raffinée s'est retrouvée juste au milieu. Elle était comme prise au piège de elle-même, sa propre envie, son propre désir de se défouler du début. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, bon, avançons, on va voir ce que ça donne. Sauf que c'est là que les problèmes vont commencer. Je vous le dis toujours, lorsque vous êtes juste en couple, vous êtes peut-être resté en couple pendant 10 ans. Si vous n'avez encore jamais vécu sous le même toit, malgré que vous soyez en couple depuis 10 ans, s'il vous plaît, quand nous on est en train de parler, évitez de mettre vos bouches dedans. Évitez d'essayer de nous donner conseil de comment une relation marche. Parce que je vous le jure, pour l'avoir traversé personnellement aussi, c'est autre chose sur le terrain. Le tatami est différent. Ce n'est pas la même discipline. Les problèmes ne sont pas les mêmes. Deux personnes qui vivent ensemble, c'est deux énergies qui sont tout le temps en train de s'entrechoquer. C'est comme ça. Surtout quand ce sont deux personnes qui ont du caractère. Bref, vous me voyez, Tante Sophie, elle a du caractère, elle a de la personnalité. Bref, je ferme cette parenthèse. Donc, de là vont commencer les problèmes du couple. Madame Raffinée étant une maniaque de la propreté, elle n'aimait pas l'hygiène de vie de Trésor. Elle n'aime pas l'hygiène de vie de Trésor. Elle trouve que Trésor est sale. Ce sont ses propos, ce sont ses mots que je suis en train de vous retransmettre. Elle dit que Trésor est sale, que Trésor ne prend pas soin de lui, Trésor ne se lave pas après être revenu du boulot, Trésor peut aider à la cuisine tout à l'heure, que les rares fois où Trésor aidait à la cuisine, il peut finir d'aider à la cuisine ou à faire le ménage et il ne va pas vouloir se laver, il va juste s'allonger là, il peut porter le même habit tous les jours, le même robe tous les jours, qu'ils sont tout le temps dans la maison ensemble, ils ne sortent pas parce que Trésor ne lui fait pas, c'est-à-dire Trésor n'est pas romantique, Trésor ne sait pas exprimer son amour, ils ne sortent pas, ils ne vont pas manger, ils font rien, ils sont tout le temps ensemble. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire tout le temps, ils sont juste coincés ensemble dans la maison. Trésor n'a pas d'amis, il ne veut pas aller voir ses amis dehors. Donc, elle a un peu de mal, puisque elle-même, elle veut même appeler les gens de sa famille pour parler un peu. Elle ne peut pas parler. Parce que, oui, ce n'est pas parce qu'on se soulève, ce n'est pas parce que tu me brises, ce n'est pas parce que tu me retournes, ce n'est pas parce que je te retourne, ce n'est pas parce que je danse les mapoukas serrés sur tes parties génitales que je te raconte tout en fait, non. C'est pas pour ça que tu sais tout ce qui se passe dans ma famille et tout en fait, non, tu sais pas, tu sais pas. Donc quand Madame Raffinée veut même appeler ses soeurs, des gens de sa famille et parler un peu, elle peut pas. Parce que Trésor est tout le temps dans la maison, s'il est pas au boulot, et je vous ai dit qu'ils travaillaient au même endroit. Donc ils s'en vont au boulot au même endroit, et quand ils reviennent, ils sont là encore ensemble. Du matin au soir, ils se voient tout le temps, c'est difficile à vivre. Je vous assure, quand vous vivez avec quelqu'un, à partir d'un moment donné, vous voyez la personne juste, elle vous énerve. Je dis, vous vivez avec quelqu'un à partir d'un moment. Vous voyez les couples sur Internet là. Vous voyez, vous pensez que non, c'est la belle vie tous les jours. Ce couple-là qui se fait des bisous tout le temps, ils sont romantiques. Non, c'est la caméra. C'est la caméra. On vit pour les caméras. We live for the cameras. Cha-cha. Appareil photo qui fait cha-cha là. We live for appareil photo cha-cha. We live for cha-cha. Petit anglais à vous parler là, ça va toujours vous dépasser. Faut que quand on vous parle l'anglais, on vous détaille toujours ce qu'on vous a dit. We live for the cha-cha. We live for cha-cha. We trap you. We trap. Ah, c'est qui ça même? Donc, comme je vous le disais, ça là, c'est la caméra. C'est la caméra. Si à un moment donné, tu vois la personne même, ça t'énerve. Ça t'énerve, tu as envie de la désinguer. Bref. Donc, Madame Raffinée en était là. Elle n'en pouvait plus. Leur hygiène de vie n'allait pas ensemble. Surtout que Madame Raffinée, elle est musulmane. Elle est musulmane et Trésor, lui, il est chrétien.
Donc, Madame Raffinée, elle a un tapis de prière. Elle est dit que pour entrer chez elle, et je pense que d'ailleurs c'est comme ça chez la grande majorité des musulmans, parce que j'ai grandi dans un quartier musulman, j'ai vécu dans la maison familiale où il y avait des locataires musulmans. Donc, avant d'entrer chez eux, on enlevait toujours les chaussures devant la porte. Et Trésor, il ne fait pas ça. Trésor, il entre avec ses chaussures, il est tout sale, il salit les choses et tout. Et Madame Raffinée, elle n'en pouvait plus. Donc, à un moment donné, elle l'a fait asseoir. Elle lui a dit, mais Trésor, je t'aime bien, mon Trésor. Je t'aime bien, Trésor. Je t'aime. Trésor, si c'est pour t'aimer, là, je t'aime bien. Mais vraiment, les choses ne se passent pas bien. Parce que même les positions du roucascas là-bas, là, tu ne varies pas. C'est toujours les mêmes choses que tu fais. Dans la maison ici, on est ici, il n'y a rien de nouveau. Tu ne choques pas mes émotions. Tu ne me surprends pas. Tu n'innoves pas. Tu n'amènes pas quelque chose de différent, quelque chose d'extra. C'est toujours les mêmes choses du matin au soir, pardon, que tu me proposes. Tu ne me proposes rien de différent. Et aussi au niveau de la propreté, pourquoi ne prends-tu pas un peu soin de toi? Il faut mettre un peu de parfum dans ton vraiment nom. Mets un peu de déodo dans ton vraiment nom parce que l'odeur, ça schlingue. Ça schlingue, mon chéri. Si je suis en train de te dire tout ça là, c'est parce que même moi-même, je veux que les choses se passent bien entre nous. Parce que où tu es en train de faire là, ce que tu es en train de faire, c'est en train de me dégoûter. Parce que ça fait jusqu'à je n'ai même plus envie de toi. Je n'ai même plus envie que tu me touches. Oui, elle m'a raconté tout ça. Je vous ai dit, c'est ça qui est bien dans le béret anonyme. Tu sais que ton histoire, elle est anonyme, qu'on ne te retrouvera pas. Que personne ne peut avoir d'informations sur toi. Donc, tu te livres. Tu livres tout ton cœur. Et moi, je raconte avec mes tripes. Donc, elle a dit, Trésor, ce que tu fais là, je n'aime pas. Je n'aime pas ce que la relation là est en train de devenir. Parce que cette relation-là, toi, tu ne prends jamais d'initiative. Tu ne me dis jamais, viens, on va aller se promener. Même si on ne veut pas aller dans un bon resto, bien dans un bon coin. Parce que de toutes les manières, on est dans un village au nord du Cameroun. C'est pas comme s'il y avait beaucoup d'endroits où on pourrait aller. Mais allons marcher un peu, main dans la main comme un bon couple. Allons marcher, sortons que les gens nous regardent un peu. Et puis, prends soin de toi pour que mes copines aussi aient envie de dire, ah, mais regardez le petit ami de Madame Raffinée, mais... Oh, mais il a du style, hein? Il a de la personnalité, il a du charisme. Pourquoi tu ne prends pas soin de toi, Trésor? Pourquoi tu ne prends pas soin de toi, hein? D'autres vont me dire, mais s'il ne donne pas, s'il ne propose pas des sorties, pourquoi elle n'en propose pas simplement? Parce que quand à chaque fois c'est toi qui dois proposer, ça t'énerve. Ceux qui ont déjà vécu avec des gens, ceux qui sont mariés peuvent témoigner parce que je sais qu'il y a des personnes mariées qui nous suivent. Ça t'énerve à un moment donné ou lorsque c'est toi qui dois raconter d'abord au gars, lorsque c'est toi qui dois lui dire, que ce soit au gars ou à la femme, lorsque c'est toi qui dois lui dire, viens, on sort, propose-moi de sortir, mais après ça te tue le goût, ça t'enlève tout le plaisir qu'il y avait dedans. Bon, ça, je suis en train de commenter l'histoire aussi, hein, donc je commente l'histoire, mais je ne porte pas de jugement, vous voyez, je commente pour permettre à tout le monde d'avoir une vue panoramique. C'est comme ça on dit, non? Même si ce n'est pas ça, j'ai déjà dit. Ce qui est ça, là, vous allez trouver ça chez vous. Mais pour que tout le monde ait une vue dans la globalité de l'histoire, vous voyez? Donc, elle a fini de parler à Trésor et lui a dit tout ça. Quand on lui dit, pendant 2 jours, il essaye d'améliorer quelque chose, le 3e jour, il retourne encore à ses anciennes habitudes et tout. Donc, Madame Raffinée, elle était là. Ça a commencé à la saouler à un moment donné. Mais Madame Raffinée, je vous ai dit, c'est une belle femme. Oui, elle n'est pas une beauté légendaire. Elle n'a pas une beauté extra comme la mienne. Mais vous prenez ma beauté, vous divisez par 4, vous allez trouver pour elle dans un coin là-bas. Voilà. Donc, Madame Raffinée, c'est une femme. Et une femme, ça se fait draguer. Une femme, ça se fait courtiser. Surtout lorsqu'elle est dans une entreprise où il y a beaucoup d'hommes. Donc, elle a un de ses patrons qui a commencé par lui faire du rentre dedans. Elle a un de ses patrons qui a commencé par la draguer. Mais ce patron-là dont on est en train de parler, c'est un homme marié. Gardez bien dans la tête que j'ai dit que ce patron-là, c'est un homme marié. On va l'appeler Monsieur Sylvestre.
Oui, parce que généralement, les sylvestres, ils sont dans tout ce qui est pourri, ils sont dans tout ce qui ne devrait pas être fait, ils sont dans tout ce qui est bizarre. Donc, monsieur Sylvestre, notre homme marié, a commencé par faire une drague lourde. Ce n'est pas les petits breakages, parce que je vous ai dit, monsieur Sylvestre est le boss de madame Raffinée. Quand je vous dis qu'il a les paillasses et les amangouins, c'est qu'il les a. Il a commencé par lui faire un breakage. Hein? C'est-à-dire qu'il est en train de la breaker de manière caviar. Il est en train de la breaker d'une manière dont Trésor n'est pas en capacité de la breaker. Donc, il a commencé par draguer Madame Raffinée. Elle était là, elle regardait. Elle regarde Monsieur Sylvestre, elle regarde aussi Trésor. Il faut savoir que Madame Raffinée et Trésor avaient pour objectif ensemble d'immigrer, je ne sais pas, je voulais dire au Canada, mais je ne sais pas si c'est au Canada. Hein. Je ne sais pas, parce que je ne pense pas qu'elle m'ait dit le pays. Mais je sais qu'ils voulaient immigrer, c'est-à-dire ils voulaient quitter leur pays, ils voulaient aller s'installer dans un autre pays, généralement un pays européen. Ça peut aussi être américain, parce que moi, je ne sais pas. Hein. J'ai oublié de demander. Ça, c'est mon erreur. Pardonnez-moi mes abonnés, pardonnez-moi pour ce manque de professionnalisme. Je ne peux pas vous rapporter là dans quel pays ils voulaient immigrer, parce qu'elle ne m'a pas dit. Et j'ai fait l'erreur de ne pas avoir le réflexe de demander. Excusez-moi, je me demande si je mérite encore le titre de présidente du Béret pour cette information capitale que j'ai ratée. Pardonnez-moi. Si Dieu veut, je vais lui demander sur Instagram et vous répondre sur ça sur Instagram après que l'histoire soit sortie. Je vais vous dire là, par la grâce de Dieu, elle va me dire. Donc, comme je vous disais, elle et Trésor ont prévu immigrer dans un autre pays. Ils vont aller vivre dans un autre pays. Donc, ils ont créé un compte en banque commun ensemble. Et le compte est aux deux noms. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de compte où si l'autre n'est pas là, on ne peut pas ouvrir pour prendre l'argent. Si elle aussi, elle n'est pas là, elle ne peut pas prendre... si elle n'est pas là, l'autre aussi ne peut pas prendre l'argent. C'est-à-dire, on a besoin de la signature, de l'autorisation des deux pour absolument tout sur le compte. Un compte commun, quoi, un compte joint. Donc, ils ont ouvert un compte joint et ils ont commencé à mettre de l'argent dessus, économiser pour leur procédure et tout ça. Donc, elle est là, Madame Raffinée est là, elle regarde Trésor, elle voit qu'il y a déjà quand même, malgré que Trésor, je n'arrive pas à avancer dans la relation, je n'arrive pas à aimer vraiment l'hygiène de vie de Trésor, je n'arrive plus à le supporter, on a quand même beaucoup de projets ensemble, je n'ai qu'à faire quoi? Et puis, petit disclaimer qui va vous permettre de rentrer dans le fond de l'histoire, parce que j'ai demandé, quand elle m'a dit que Trésor vivait dans un taudis et que c'est pour ça qu'elle ne voulait pas qu'il vienne vivre et que c'est pour ça qu'elle ne voulait pas aller chez lui et qu'elle voulait qu'il vienne chez elle. J'ai demandé, dis-moi, dans l'entreprise vous travaillez là, est-ce que tu gagnes plus d'argent que Trésor ou bien gagne plus d'argent que toi? Elle m'a dit, je m'y attendais beaucoup. Elle m'a dit, il gagne plus d'argent que moi. J'ai dit, ok, avançons dans l'histoire. C'est à la fin que je vais faire ce que je veux faire là. Ne soyez pas précis. Pour l'instant, je vous raconte encore l'histoire d'abord. Donc, elle a vu, elle s'est dit, mais il y a beaucoup de projets ensemble avec Trésor. Mais en même temps, j'arrive plus à supporter Trésor. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, elle était là avec Trésor. Elle lui expliquait que les choses ne vont plus, qu'il faut qu'il change ceci et cela. Mais comme Trésor n'est en train de absolument rien faire pour changer les habitudes qu'elle n'aime pas, elle a dit à Monsieur Sylvestre, Madame Raffinée a dit à son boss qui est en train de la draguer là, elle lui a dit, monsieur mon boss, monsieur Sylvestre, monsieur mon boss, écoute, actuellement où je vis là, je n'ai plus envie de vivre là. Donne-moi de l'argent, aide-moi pour mon déménagement, je vais aller vivre ailleurs. Et quand je serai ailleurs maintenant, toi et moi, on va pouvoir commencer par clairement parler. Or, je vous ai dit que Trésor avait déjà commencé par s'installer doucement chez Madame Raffinée, dans le studio de Madame Raffinée là. Et il s'était même déjà complètement installé. À un moment donné, il s'était déjà complètement installé. Donc Madame Raffinée était prise au piège parce qu'elle ne savait pas comment elle va dire à Trésor, retourne chez toi, je vais vivre seule maintenant. Parce que ta présence a commencé par me peser. Retourne chez toi, je n'en veux plus. Elle ne savait pas comment elle allait lui dire ça. Donc, comme le boss aussi a accepté, le boss qui est un homme marié, je continue de le préciser, je vais même le chanter, s'il faut même que je danse, je vais danser. Le boss est un homme marié, oh la danse de la guerre, le boss est un homme marié,
C'est un homme marié. Il a la kishta, il a l'étal. Donc il a déboursé, tac, 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 le guichet automatique humain. Il a déboursé et puis Madame Rapinet a pris l'argent là. Elle est allée louer ailleurs. Dès qu'elle a loué ailleurs comme ça, elle a commencé par prendre ses affaires. Elle a commencé par ramasser ses affaires de la maison dans le petit studio où elle était avec Trésor là. Elle ramasse ses affaires, elle emmène là-bas un peu, un peu. Trésor ne remarquait rien. Trésor pour lui, c'est vrai qu'il est un faux type. Lui-même, il se dit, bon, j'ai fait ceci, ceci qu'elle n'aime pas trop. Mais on est déjà dedans, elle va faire quoi? Oh, elle va faire quoi? Elle va faire quoi? Si tu n'as peur de rien dans ce monde, elle a peur de la femme. Elle a pris ses affaires, elle est allée déménager ailleurs. Elle a vraiment déménagé ailleurs, dans un endroit qui est encore plus spacieux que son petit studio où elle était là. Et c'est maintenant quand elle voulait prendre les choses décisives, les choses définitives, les choses décisives, si vous voulez, prendre son lit, les trucs imposants que si Trésor vient et qu'il ne voit plus, il va comprendre que, ah, mais il y a un déménagement qui se passe. C'est quand elle voulait prendre ça que maintenant elle a fait asseoir Trésor et elle lui a raconté. Elle lui a dit, mon ami, en fait, voilà, voilà, moi je veux aller vivre ailleurs. Quand elle lui a raconté là, elle lui a juste dit qu'elle s'en va vivre ailleurs. Elle lui a juste dit, ah, moi je vais maintenant vivre ailleurs, voilà, je n'arrive plus à rester ici avec toi, on ne s'entend pas, vraiment ton hygiène de vie me supporte et tout. Quand Trésor a entendu ça, il a sauté, il dit, wow, 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 so kanayi pipi maneba akouwe. La chanson de Debordeaux, là, je ne connais pas ce que c'est en train de dire, mais j'aime beaucoup ça. Oh, mais je pense que c'est une chanson triste, donc j'ai chanté ça comme ça. Il a dit, mon Dieu, Trésor a dit, mon Dieu, où je peux passer? Oh, Azalakapé, où? Il t'a parlé Debordeaux dans mon puits. Où je vais passer? Où je vais passer, tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas partir, Madame Rapinet. Tu sais que tu es l'amour de ma vie. Tu dois rester. Il a tout fait pour essayer de la garder dans la maison là. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Elle était déjà décidée à partir. Donc, elle est partie. Elle est vraiment partie. Et c'est le lendemain qu'elle est venue même récupérer le lit et tout ça. Parce que le jour là, il était décidé à la garder. Donc, voilà. Elle n'a pas pu récupérer son truc ce jour là. Maintenant, quand elle est allée au nouvel endroit où elle a loué, elle a remarqué que le boss, Monsieur Sylvestre, veut venir tout le temps dans la maison comme si c'était chez lui. D'abord, quand elle est venue là-bas, Monsieur Sylvestre a demandé un double des clés. Ah, Madame Rapinet dit, mais Monsieur Sylvestre, tu demandes double des clés à cause de quoi? Je ne peux pas te donner le double des clés. Parce que même si c'est toi qui me loues ici, même si c'est toi qui paye ici, hein, tu ne peux pas venir comme tu veux. À face ça. J'avais déjà fait une vidéo sur cette histoire-là sur TikTok. Est-ce qu'un homme qui te paye ton loyer a le droit de débarquer chez toi quand tu veux? J'avais déjà fait cette vidéo-là et on a parlé, on en a débattu de fond en comble, de long en large. Voilà le cas qui est là présentement. Vous allez aussi répondre à ça là dans les commentaires. Vous allez dire ce que vous pensez de ça là dans les commentaires. Et où ça la va péter, c'est qu'une fois, elle avait de la famille, sa propre famille, qui voulait venir vivre chez elle, au nord là-bas, passer un peu de temps avec elle et tout ça. Et elle a dit à Monsieur Sylvestre, eh, écoute, mais ma famille veut venir pendant 2 semaines, je crois, si je ne me trompe pas, 2 semaines, en tout cas, pendant un laps de temps. Donc, pendant ce laps de temps-là, s'il te plaît, tu ne vas pas venir chez moi, tu ne vas pas venir du tout. Je dois m'occuper de ma famille et tout, et tu sais qu'ils ne peuvent pas venir me voir avec toi là. Monsieur Sylvestre a dit, comment? What do you say? Tu dis comment? What do you say? Tu dis comment? What do you try to tell me? C'est moi qui paye le loyer ici. I'm paying the loyer. I'm paying the loyer. I'm paying the loyer. I'm paying the loyer en anglais. I'm paying the loyer. Je paye le loyer ici. Je suis celui qui provide ici. I'm the provider. So what do you try to thank me? What? Genre, tu essayes de me dire quoi? C'est nyangamé même dans ma gorge. Tu essayes de me dire quoi? Et Madame Rapinet dit, jusqu'à qui? Jusqu'à qui? You try to talk like that, jusqu'à qui? Monsieur Sylvestre, mon boss, l'homme marié avec qui je sors. Tu tentes de me dire quoi? Écoute, si c'est comme ça que tu vas me parler,
je vais te renvoyer l'argent de la caution que tu as payé et je vais me débrouiller moi-même. Et suite à cela, c'est ce qu'elle a fait. Elle lui a vraiment renvoyé l'argent de la caution. Elle lui a vraiment renvoyé ça. Parce que je vous ai dit, Madame Rapinée, c'est une femme capable. C'est une femme caviar. Elle aime se sentir caviar. En tout cas, elle a de l'ego. Ça se sent que c'est une personne qui a son petit ego. Donc, elle lui a renvoyé son argent. Elle est passée par un des chauffeurs de l'entreprise. Elle a mis l'argent dans une enveloppe et elle a dit au chauffeur de remettre cette enveloppe-là à ce boss-là de l'entreprise. Mais n'oublions pas que pendant que tout cela se passait, le jeune trésor essayait encore par tous les moyens de savoir où Madame Rapinée vit. Parce que Madame Rapinée a dit à Trésor, je ne vais pas te dire où je vis. Je ne vais pas te dire où je vis parce que je ne veux pas que tu viennes où je vis actuellement. Si tu veux me voir, dis-moi, on se retrouve à un endroit, peut-être une petite cafette, peut-être une petite buvette. On se voit là, on discute, il n'y a pas de souci. Après, chacun retourne chez lui, mais tu ne viens pas chez moi. À un moment donné, sa famille qui était juste venue faire un laps de temps est repartie. Et comme on le dit, qui a bu boira? Qui a bu boira? On n'oublie pas le goût de l'ancienne eau de la rivière. Donc, à un moment donné, Madame Rapinée a encore recommencé par tchoukou-tchoukou avec Trésor. Puisque l'homme marié était mis de côté, il était en stand-by à cause de leur dispute maintenant. Elle a recommencé par tchoukou-tchoukou avec Trésor. Elle a commencé à laisser Trésor lui briser le dos et tout ce qui s'ensuit. Tout ce qu'il y a sur la partie inférieure du corps. Oui. Je sais que c'est assez gênant, ce que je viens de dire. Mais je ne peux pas éviter en fait. Parce que quand je suis dans le fil de la chose, quand je suis en pleine action de vous raconter les tréfonds des profondeurs, de vous raconter les abysses de l'histoire, je suis obligé d'aller foutre mes mains au... Non, ça franchement, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Oubliez tout de suite l'image que vous venez d'avoir. Oubliez. Je retire ce que je viens de dire, mais je ne supprimerai pas au montage. Je retire quand même. Donc, elle a recommencé à le faire avec Trésor. Et comme elle a recommencé à le faire avec Trésor, Trésor a commencé par encore venir dormir là quelques fois. Il a commencé à dormir là quelques fois encore. Bon, les deux ont recommencé encore leur petite histoire, en quelque sorte. Même si Trésor ne vivait plus là à temps plein, ne vit pas dans son nouveau chez elle à temps plein, elle a recommencé, ils ont recommencé une sorte de petite histoire encore. Ils ont continué à mettre l'argent dans le compte commun et tout. Et Trésor a continué à mettre son argent encore dans le nouveau chez de Madame Rapinée. Comme je vous ai dit là, même quand Trésor vivait dans le petit studio de Madame Rapinée là, il donnait l'argent. Hein, sur le niveau de l'argent là, quand je dis qu'elle n'aimait pas l'hygiène de vie de Trésor, mais si c'est participer aux besoins de la maison, Trésor y participait. Trésor y participait bien, au même titre qu'elle, sinon peut-être même plus, certainement même plus qu'elle. Parce que on se sait, ma belle, on se sait. Généralement, quand on n'aime pas trop un homme, on se rend compte qu'on n'est pas amoureuse d'un homme et qu'on reste quand même, c'est qu'on a besoin de lui quelque part. C'est que quelque part, il arrive à assurer un certain besoin qui fait qu'on est encore avec lui. Sinon, tu l'aurais laissé depuis s'il était vraiment si zéro dans ta vie que tout ça, tu vois. Donc, à un moment donné, Trésor a encore recommencé à investir son salaire dans le nouveau chez de Madame Rapinée. Il achète des choses, il participe aux prévisions de la maison, aux provisions et tout ça, il fait tout ça. Mais l'homme marié est revenu. L'homme marié est revenu dans la vie de Madame Rapinée. Monsieur Sylvestre est de retour. Le boss qui est marié, il a recommencé à discuter, il est venu s'excuser encore auprès d'elle et lui a dit que lui veut reprendre son histoire avec elle. Mais je vous ai dit, Madame Rapinée n'est pas amoureuse de Trésor. Elle supporte Trésor, elle tolère Trésor parce qu'ils ont des projets en commun. Mais ce n'est pas comme si elle se voyait finir sa vie avec Trésor. Parce qu'elle-même, elle a dit plusieurs fois dans les notes vocales qu'elle m'envoyait qu'elle ne se voit pas finir sa vie auprès de Trésor. Mais que pour l'instant, ce n'est pas qu'elle ne l'aime pas, elle ne lui en veut, elle ne lui déteste pas, mais il y a ce truc-là. Vous voyez, quand tu es habitué à la présence de quelqu'un, mais ce n'est, en même temps, ce n'est pas vraiment de l'amour. Elle se rend compte qu'en même temps, ce n'est pas forcément vraiment de l'amour. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. C'est elle-même qui a dit. Et puis, je suis en train de vous répéter. Donc, quand l'homme marié, il est revenu,
L'homme marié a fait cette proposition à Madame Raffinée. Il lui a dit, écoute ma belle, moi je veux te proposer ceci. Je veux t'envoyer à l'extérieur. Tu iras vivre dans un autre pays. Tu vas immigrer. C'est immigrer ou émigrer? Je ne sais pas. En tout cas, elle n'a qu'à prendre l'avion pour partir. Donc, elle va prendre l'avion pour partir dans un autre pays, dans un pays de l'Occident. Et une fois qu'elle sera là-bas, lui, il va lui faire un enfant. C'est ce qu'il lui a proposé, que lui, il veut lui faire un enfant. Mais il va la garder en même temps comme ça, étant sa deuxième épouse. Mais je vous ai dit, il en est capable. L'homme marié a les Mayas et les Amangouins. Il a les Tal, il a la Kishta. Tu vois? Donc, il lui a proposé. Et elle était en train de réfléchir à ça. Au moment où je suis en train de vous raconter l'histoire, c'est ce à quoi elle réfléchit actuellement. Est-ce qu'elle n'a qu'à aller accepter la proposition de l'homme marié et aller dans un autre pays là-bas et devenir la maîtresse d'un homme marié et lui faire l'enfant comme il a dit, il va s'occuper de l'enfant, il va venir les voir de temps en temps et tout ça, ou elle va juste continuer son projet de vie commun avec Trésor? Sans oublier qu'elle pense qu'elle n'a pas envie d'être avec Trésor. Parce que Trésor pense de mariage, Trésor parle de mariage, de tout ça. Mais elle n'est pas très pour. Elle n'a pas envie de se marier avec Trésor. Elle n'a pas envie d'être plus engagée que ça avec Trésor. Donc vraiment, on a besoin de vos avis. Actuellement, elle m'a envoyé le béret depuis décembre. Depuis avant même le temps de Noël. Et actuellement, on est en février. Puisque j'ai eu beaucoup de retard, j'ai été absent longtemps. À cause de mes propres soucis mentaux, on peut dire ça comme ça. Donc, votre go, elle est folle actuellement. Tante Sophie, elle n'est pas dans son bien normal actuel. Mais ça va aller, parce que je vais rentabiliser en story time. Donc, je garde espoir de ça pour le futur. Vous allez voir. La vie pense qu'elle me fait du mal. Tu fais du mal à personne. Tu me donnes des histoires à raconter. Tu as compris? Donc... Non, vraiment, voilà où on en est. J'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez. Il faut savoir qu'actuellement, elle a réussi à dire à Trésor qu'elle n'arrive pas à se projeter dans le futur avec lui. Parce que moi, je ne répondais pas depuis décembre. Je le faisais par l'histoire pour que vous puissiez donner vos avis. Donc, c'est maintenant que moi, je suis en train de donner l'histoire. Vous allez nous dire ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Parce que c'est une décision capitale. Ma belle, tu peux aller avec l'homme marié. Et puis ce que tu pensais, ce ne sera pas. Ça ne sera pas. Il peut te faire l'enfant et puis t'abandonner là-bas avec l'enfant. Il ne va pas s'occuper de l'enfant. Tu ne connais pas encore. Tu ne connais pas demain. Quand on prend Trésor qui est là-là, ça là, je suis en train de donner mon propre avis sur le béret. Après, vous allez dire pour vous. Quand on prend Trésor qui est là-là, tu ne l'aimes pas. Mais est-ce que tu sais qu'on s'accommode? On s'accommode. On s'accommode en fonction de ses besoins sur l'instant. Je vous le dis toujours. Les femmes, je ne le dis pas pour faire une discrimination, mais quand tu es une femme, tu sais que le plus important à partir d'un moment pour toi, c'est de survivre. Et quand tu sais que tu dois survivre, il faut faire les choses qu'on doit faire pour survivre. Je ne te dis pas de rester avec un homme dont tu n'es pas amoureuse et dont tu ne tomberas probablement jamais amoureuse. Je ne te le dis pas. Mais c'est à toi de voir jusqu'à quel point tu peux supporter certaines choses. Tu quittes un gars qui a des projets en commun avec toi. Tu vois qu'il est fou de toi. Parce qu'il te dit même quand il... Parce que pour décembre, là, quand le gars allait en décembre chez sa famille, il lui disait qu'il voulait parler d'elle à sa famille. Qu'il voulait lui dire qu'il a une copine ici et tout. Trésor disait ça. Trésor l'aime. Moi, je l'ai compris. Dans cet autre cas, je l'ai vu. Trésor l'aime comme un fou. Mais ma belle, tu sais que dans une relation, généralement, il y a toujours un qui aime plus que l'autre. Généralement, à toi de voir, à toi de vraiment faire tes bons choix. Parce que peut-être tu ne supportes pas. Moi-même, j'ai déjà été dans une relation où je ne supportais pas, je suis parti. Donc, c'est vraiment, peut-être tu ne l'aimais pas, tu ne supportes pas simplement. C'est toi qui vois. Mais je tenais juste à te montrer les deux visages de la chose, les deux faces de la masterpiece. J'ai aimé mon jeu de mots. Bref, pour tous ceux ou toutes celles qui veulent me raconter leur histoire de manière anonyme, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Vous venez, vous pouvez même venir avec votre compte, même. Votre histoire va rester anonyme. C'est moi seul et moi seul qui sais qui vous êtes. Et je raconte de manière anonyme. Je donne que les détails qui sont généraux. Donc voilà, j'ai réfléchi
à la liaison. Est-ce qu'il faut mettre Jérôme ou bien Ral? Chez. Donc, voilà, c'est sur Instagram que ça se passe. Et si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à appuyer sur la cloche. Mets ta cloche de notification, en fait. Mets ta cloche de notification parce que ce genre d'histoire-là, tu dois voir dès que ça sort. Et n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram parce que je fais le boucan sur Instagram. Merci. Bonne soirée.